Bonjour et bienvenue, nouvel épisode de Dredge. On est de retour. Alors, on a... Qu'est-ce qu'on a à faire? Je m'en rappelle plus. Alors, on a pas mal de choses, en fait. Des nouvelles choses. On pourrait peut-être farmer un peu pour avoir des nouvelles choses. On a le filet qu'on pourrait mettre. On a des nouvelles lampes à prendre. Je me rappelle de ça. Il nous faut du bois aussi. Il nous faut des trucs, mais ça va vite en fait. Donc je me demande si ça vaudrait pas le coup de farmer un tout petit peu. Genre le filet, c'est 250. Je voudrais bien la nouvelle lampe aussi. Par contre, un truc qui est un peu bête, je crois pas que le skin vraiment change en fait. Ça c'est bête. J'aurais bien voulu que le skin change. Hop. Et aussi, on a des quêtes. Là, on a le vitesse du bateau 47.3, vitesse de pêche 115%, lumière 1800 lumens. Alors, un tas d'articles, je sais pas où on les trouve. Les poissons rares, je sais pas. Les reliques, on est en train de faire les reliques en fait en ce moment. C'est surtout ça. Le congrès pourri. Ah, je dois dire... Ah oui, on pourrait repartir à Mordfanon à la limite pour faire ça. On pourrait faire ça. Au centre de la paix. Est-ce que maintenant on peut... comment dire? On peut faire péter les murs. Donc pourquoi pas. Pourquoi pas? Je suis sur la bonne... Oui. On va faire de la pêche pendant qu'on y va. Oh mon dieu, c'est quoi ce cabillaud et pierre? Oh. Nickel. Il y en a beaucoup. Ouais non là c'est bon, c'est fini. On avance. Oh. Ah. Oh. On a cassé le moteur. Quel con. Oh là là, j'ai complètement merdé. J'ai complètement merdé. Ah non. Oupsie. Bon. Bon, bon, bon. Donc ça, c'est pas mal parce que si on a les petits moteurs là qui font une case, donc du coup, je pense que cela, il continuera à marcher. Si je dis pas de bêtises. Il continuera à marcher. Alors que le moteur principal est abîmé par exemple. Ça serait aussi une bonne chose. Ah mais si jamais ça nous arrive pendant qu'on combat une créature, c'est mort. Hein. Enfin non, pas qu'on combat, qu'on fuit une créature plutôt. Mais bon après c'est le boost qui m'a fait péter le moteur donc c'est normal. C'est normal que ça soit le moteur qui prenne en fait. Et ouais.
On y arrive. Alors, excusez-moi, on a fait péter le moteur. 156$, très bien. Tout réparé, très bien. Si on allait un peu pêcher dans la nuit. On n'est pas très loin, donc ça va. On va pas se faire... agresser par des créatures quand même. Un peu d'argent. Merde. Ouais, non, là c'est bon. Ah, ce petit caillou là. Ça me rappelle un peu Darkest Dungeon, quand vous avez fait le le premier assaut, en fait, au donjon, là, de donjon ténébreux, du coup. Vous commencez à voir des choses, en fait, dans la ville. Mais là, ça me rappelle un peu ce système-là, de voir des choses un peu bizarres qui se passent, c'est marrant. Ok, 108. Oula, doucement la lampe. Des rochers partout, quoi. Oh, calamar croqueur. Oh, regarde-moi tout ça, les trucs avec toutes les dents, c'est horrible. Ça fait de l'argent, quoi. Hé, on a passé toute une nuit à pêcher. Pas de poisson ici. Mais par contre, je crois qu'il faut qu'on... Ouais, faut qu'on dorme parce qu'en fait, on est un peu fou là. Mais du coup, je sais pas ce que ça peut faire en fait. Parce que là, on a l'œil qui devient complètement cinglé. Oula. Okay. 162. On est à 566. Nickel. On peut. Il me faudrait du bois. Peut-être dormir un peu. Ok, c'est calme. Il nous faudrait un peu de bois et on peut même augmenter notre coque. Honnêtement, je dirais pas non pour faire la coque maintenant, du coup. Ah mince. C'est quoi ça, du tissu? Il nous faudrait du bois. Quoi ce bruit? Ok.
Oui, non, par contre, lui m'embête un peu en fait. Requin cuivre. Ah! Où est-ce qu'on peut trouver du bois? Ça m'embête, ça. Ça tue. J'avoue que celui-là, ça valait cher. Alors, ma réserve, j'ai pas de bois. Okay. Ouais, non, il nous faudrait deux bois. Deux bois, comme ça, on fait l'amélioration. C'est du bois, ça? Non. Oh. On va avoir un truc dégueulasse encore. Ah oui. Réafragment. Oh. Ah, tout est Oh là là. Ça va être quoi, ça? Je vais pas avoir la place. Non, je vais pas avoir la place. Je vais pas avoir la place. Par contre, il paye tellement mieux que l'autre. Mérou voltaïque. Ah, oh, t'en as frôlé, quoi. Pas de bois. Peut-être qu'on devrait faire le tour pour aller récupérer des planches. Je crois qu'il y a des épaves. Ah, par contre, on aurait pu. C'est vrai qu'on aurait pu balancer les crabes là. Ouais, si on fait des choses comme ça, où on reste dans les environs en fait. Ouais, balancer les crabes. Ouais. Enfin, je dis pas. Oui. Je cherche du bois. Je suis sûr qu'il y en a quelque part. Genre aux alentours. Ah, il nous faudrait pas des... Oui, il nous faut des bombes aussi. Oh, y a
Ça, c'est embêtant, ça. Nickel, un trophée. Ça m'embête, ça. Bon, après, je crois que niveau argent, là, on a fait du bon. Là. Fait du bon. Putain, j'ai failli faire péter le moteur encore une fois. Nickel. Nickel, nickel. Du coup... Tiens, on va aller là-bas. De la place ces machins. Attends, je peux en mettre un comme ça. Non, c'est très très chiant à placer ces machins. Quoi, s'il te plaît. Putain, mais ça tue. Il nous faut absolument du bois. Bah attends. Attends, attends. Parce que je sais qu'on a donc les meilleures lampes. Donc ça, on vend. 2 heures. Nickel. Ah oui, on avait dit qu'on pouvait acheter ça. Pourquoi pas, mais il faut le... Attends, dans la réserve. Capacité débloquée, chalut. Parce que déployer permet d'attraper, ok. Ça marche. Ok. Alors, fais voir comment ça fonctionne. Si à la limite, je peux enlever l'océan et mettre ça à la place. Ou alors on enlève les au fond... prend de du temps en fait. Bon. Alors. J'avais pas vu qu'on pouvait le les tourner comme ça aussi. La lampe, on la tourne. Je sais pas. Ok, on a... enrichissement pour explorer les océans. Ok. Maintenant, on doit faire un choix, en fait. J'imagine que ça, c'est mieux. J'en sais rien, en fait. C'est juste parce que je veux vraiment voir comment ça fonctionne. Il y a des pièges de choses quand vous avancez, mais doit être réparé de temps en temps. Ah ! Ah, ok.
Ah, donc là j'ai un truc dans le filet, c'est ça? Mais c'est dans le filet en fait. Ah oui, on voit une sorte de petit poisson. C'est dans le filet, donc ça compte pas. Ça compte pas dans ma cargaison, je crois. D'accord. Ah mais par contre, moi je peux plus rien pêcher en fait. Ouais, non, il faut remettre l'autre. Attends, ça c'est... J'ai l'impression que ça me montre du bois. C'est pas du bois, ça. God. Ouais, non, les océans, il faut... C'est pas grand-chose. Enfin, ça dépend. Non, ça dépend. Ça dépend ce qu'on cherche. Tout simplement. Ça dépend ce qu'on cherche. Après, ça, c'est pour les côtes. Et ça, c'est pour les côtes aussi. Mais bon, il y a au fond, dedans. J'en sais rien. J'arrive pas à réfléchir. J'arrive pas à savoir lequel est le mieux en fait. Voilà. On va faire comme ça. Et le filet, comment ça fonctionne du coup? Voulez-vous revenir avec une pêche maigre? Pas revenir du tout. Ok. Et non, pas désinstaller. Je sais pas comment ça fonctionne. Ah, filet, c'est là. Ok, d'accord. D'accord, ok. Ça marche. Bon, on va un peu avancer, hein, parce que là on fait que de la farm niveau argent. Après, c'est une bonne chose. Hein. C'est une bonne chose. Oh, poisson. C'est quoi ça? Du métal. Il y a un bruit sur ma gauche, un peu bizarre. Ah merde. Genre là, il y a quoi dans le filet? Il y a ça, ok. Quelque chose se glisse dans votre cale. Infecté. Très bien. Bah, je suis pas sûr que ça soit très très utile. En fait, ça prend beaucoup de place. C'est bien, hein, mais ça prend quand même beaucoup de place. Après, c'est du poisson. J'ai envie de dire. Comment ça? C'est passif en fait. Oui, c'est vrai que c'est. Il y a que ça qui est bien en fait. Mais je pense que pour l'instant on va rester avec les trois différents. Et on verra ça après plus tard. Bon, bah vu qu'on trouve pas de...
ramener tout ça. Nickel. Parfait. Ouais, vu qu'on ne trouve pas de, de bois, on va partir. De toute façon, on va bien en trouver, hein, du bois. On va repartir pour vent machin. Comment c'est ? Souffle vent. On va repartir pour souffle vent. Donc c'est sud-est. On part pour souffle vent. On essaye de finir la quête de la femme. Là. Elle veut qu'on récupère des choses. Des poissons bizarres là, pourris, qu'on les fasse pourrir sûrement peut-être, je sais pas. Et après, après on pourra enchaîner sur autre chose. Mais ça va, c'est cool. Faudra augmenter donc du coup notre... ça là-bas. Ouh, qu'est-ce que c'est? Oh, où que je le mets? Un voilier. Incroyablement rapide, mais ça pointe et sa nageoire ne rapporte pas grand-chose. On n'en avait pas besoin pour quelque chose. Attends, fais voir. Non, je crois pas. Non. Ouais, comme ça on aura fini en fait avec cette zone. Enfin, j'en sais rien si on sera vraiment fini. Il faut aussi qu'on prenne du coup des explosifs. Faut même qu'on en ramène là-bas en fait. À l'île de départ. Ça... Oh, 350. Tu vends aussi des explosifs toi maintenant? Ok, intéressant. Par contre, je veux bien acheter ça. Comme ça, on peut l'utiliser. Tada! Ça va être méga cher, je suis sûr. De genre 1000 lins. Ajouté à la cabine large du baratin. Quoi? Elle prend un livre en étagère proche. Ok, cool. Merci. 300 lins. Pas trop cher en fait. Ok, on a qu'un par contre. Ça, je veux bien. Alors, fais voir le livre que tu m'as filé. Ah, je peux pas rater. Merci. Oui, il nous faut plus d'explosifs, par contre, je pense. C'est quoi? Ah, attends, il n'y a pas du bois, là. C'est quoi, ça? Merde! Oh là là! Quoi ça? Ah! Super. On va pas dire que j'ai payé le mien pour rien, mais. Pas très nécessaire en fait. Poisson pierre gélatine.
un deuxième explosif. Dormir un peu. Combien de temps ils mettent les poissons avant de pourrir? Ça, je sais pas. Il va bien vite, hein. J'aime bien. Peut-être que dans l'île du début, on pourra peut-être acheter un deuxième petit moteur. À moins qu'elle en ait un maintenant. Yes, elle en a un. 300. Yes, on est à 66.2. Nickel. Donc du coup, on a toujours des explosifs à bord. Allez, c'est parti. Ah, c'est bien là. Par contre, faut faire gaffe. Bon, il me faut du bois surtout. Tout péter. Comme ça, on pourra passer partout. C'est quoi ça? Bijoux. C'est quoi ça là-bas? Oh. Non, c'est... c'est stressant, hein, ces bruits des faux. C'est quoi? Un cernier. Nous, c'est quoi qu'il faut? Voilà, chaque fois j'oublie. J'ai livré le congrès pour. Au centre des falaises. D'accord. Otta! Ah, maintenant on est speedy, hein, du coup. C'est un peu compliqué, hein. Ça, on le range. Non, pas ça. Alors, on a un truc. Il est. Alors, prise côte. Durée 2 jours. Contient plus de poissons et la durée plus longtemps que sa version basique. C'est en choix pour s'enrichir sans se fatiguer. En fait, ça, ça va permettre sûrement de. Je vais voir un peu les différents filets. Ah, ouais. Au fond, côte, volcan. Au fond, côte. Ouais, du coup, on n'aura pas besoin vraiment de pêcher ce type de... Enfin, de faire de ce type de pêche, en fait, au final. Intéressant.
Ouh. Bois. On voit rien du tout. Congrès. Ah, c'est ça. J'ai pas la place pour en prendre d'autres. Ok, parfait. Et du coup, il faut pas le vendre. Comment je fais pour pas le vendre? De toute façon, j'ai que ça, donc on va pas le toucher. Alors. Ah, et maintenant j'ai plus l'argent, c'est super. J'ai légèrement oublié ce truc. Ce truc qui est l'argent. Ouais. Du coup. T'achètes pas ça? Ah, si, t'achètes. Ouais, pour trois fois rien, quoi. Non, c'est pas grave. Donc ça, il faut le garder, il faut le laisser pourrir. Je crois. Oh mon dieu. Okay. On va voir ce qu'elle dit. Alors, j'ai un congrès, montrez-moi. Oh, eh bien un congrès, mais il n'est pas assez vieilli. Si je le prends maintenant, le chien va le voler avant qu'il soit prêt. S'il vous plaît, revenez quand il aura un peu mûri. Ok, ça marche. Prends de la place, ton machin, quand même. Hein. Bon, bah on va se balader, on va voir si on peut pas creuser encore dans la roche. Oh non 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 non, je crois qu'il est derrière moi. Oh la vache. Ah bah bravo. Oh, il est là. Ah bah bravo. C'est dire qu'on avait besoin d'argent. Bon, on va aller du côté droit. Le problème, c'est qu'ici, elle reprend vraiment pas cher les choses. Donc, du coup, c'est un peu bof. Bon, du coup, ça aussi, maintenant, on sait que ça fait des dégâts.
Oui, mais attends, comment... Voilà, comme ça. Toujours frais, ça. Bon, on va aller sur la droite, hein, comme j'ai dit. Par contre, là, tu me dis quoi, toi ? Ah. Parfait. C'est ça, c'est encore des congrès ça? Non, c'est pas ça. Il y a quelque chose derrière la cascade ou pas? Je crois qu'on... Ah ah! C'est quoi ça? Un coffre rongé est posé sur un tas de débris au fond de la grotte. Par contre, il y a ça là. C'est quoi ça? Abysse. Okay. Du coup, il fait nuit. Ah, le cliché. Le cliché, on cache des choses derrière les cascades et tout ça. Dès que je vois une cascade, non, c'est mon premier réflexe. C'est aller dedans, quoi. Avarié. Est-ce que c'est bon maintenant pour elle? Ou alors il faut vraiment qu'il soit pourri? Ok, non, il faut vraiment... Ça marche. Pourri! Alors, parfait, c'est exactement ce qu'il me fallait. Je peux vous donner une petite somme pour vous remercier. 150. Bon voyage! Ça, on met, ça, on rentre. Ça, c'est avarié, mais on va aller le vendre quand même. On a une petite réserve quand même. Bon, après, c'est un peu fait exprès aussi. Et si on laissait la lumière tout le temps allumée, est-ce que c'est un problème? Yes. Ah, amélioration de coque niveau 2, emplacement supplémentaire configuré. Ouh, le bateau a changé. Ouais, le bateau a changé par contre, ça c'est cool. Ah, yes. Bon, on n'a pas grand chose. Ah non, si. Maintenant le moteur, il est comme ça du coup. Ok. La lampe, elle est là, double, du coup, devant. Ok. Alors, je vais voir. On va reprendre ça. Ça. Alors, qu'est-ce que tu as à nous offrir maintenant ? Non, c'est pas ça. Alors, 3 espaces pour canne à pêche. 4 espaces de cale. Un espace de cale pour contenir aussi des moteurs.
On va faire ça. Tu veux du tissu et des planches. Ouais, c'est pour ça. D'accord, ok. Ouais, non, ça c'est vachement bien. Tissu et des planches. On en a plus. Je me demande si ça vend des explosifs chez nous. Je crois pas. Hein. Je veux bien aller voir ce qu'il y a en fait. On va en acheter. Ouais, on va en acheter encore un de plus. Ok. Et ce qu'on va faire, c'est ça. Voilà. Nickel. Toi là-bas. Ça devient marrant. Ça devient marrant. Voilà, nickel. Et maintenant, c'est... C'est sympa, le bateau. Des lampes un peu à droite à gauche. Attends, là, il y a sûrement un truc spécial. Voilà. Macropolluculaire. Ces branchies sont dotées de globes oculaires. Bien que superflu, ils observent les alentours frénétiquement ou transperçant tout de leur regard. Tous de leur regard. Ok, donc c'était sur le côté droit, je crois. Là. Très bien. C'est quoi ça? Ah, c'est le métal qui coûte très cher. Ok. Qui coûte très cher. Oh, B à fragments encore, ok. J'avais même pas vu qu'on avait une spéciale. Ah. J'aurais bien voulu qu'il y ait peut-être plus de changements dans le bateau. En fait, c'est que quand la coque change que le bateau change, j'ai l'impression. Ça c'est bien ça. Là, on le range. Ça, on va le garder encore. Par contre, ça, je crois que je vais le... l'installer là. Ou alors comme ça. Planche et tissu. Là on en a zéro, ça marche.
On va dormir tranquillement. On va repartir. Ok, donc on a fini avec... je vais voir un peu les quêtes. Là, on a bien fait les choses. Donc on a fini avec ça. Donc pêcher les poissons rares, le taser tigre et les reliques. Donc le bassin des astres. Le bassin des astres qui est là-bas. Donc sud-ouest. Le sud-ouest. Allez, on y va. On est bon, ouais. Bon, y a plein de petites îles sur le chemin, mais... Ah. Il joue en argent. Là, on n'est pas vraiment là pour pêcher. C'est vrai qu'en fait, si on pêche pas, on pourrait à la limite enlever les objets de pêche. Maintenant que j'y pense. Parce que je crois que le dragage, du coup, il est par défaut maintenant. Genre la grue, on l'a toujours. Ouh. Ça nous ferait de la place. Par contre, j'aurais pas dû perdre mon temps à pêcher en fait. Aïe aïe aïe. J'aurais pas dû perdre mon temps à pêcher. Ouh, c'est quoi ça? Calmar Luciole. Ah, celui-là, il a l'air sympa. Quoi ce machin? Ça, par contre, ça a pas l'air sympa. S'amarrer là? Oui. Laboratoire générateur. Il n'y a rien qui va ici. Alors, ça fait quelques jours que je n'ai pas écrit. J'ai des frissons et j'ai l'impression que mon cerveau est embrumé. Quoi que je fasse, je ne parviens pas à me réchauffer. L'encre a coulé de certaines lignes. A devenu illisible. Si la majorité de ce que l'on récupérait était des débris, ils ont fini par sortir un gros coffre en bois. L'équipage s'est-tu devant cette découverte fascinante. Je me souviens des instants qui ont suivi avec une netteté douloureuse. On l'a ouvert facilement. Les planches déformées ont craqué et grogné de soulagement en explosant. Un tissu pourpre a glissé sur le pont. Les vagues se sont abattues dans un vacarme assourdissant. Je les entends encore. Il a jeté un œil dans le coffre ouvert, puis s'est tourné vers moi. Dans ses yeux, je n'ai vu que le néant. Mais dis-moi, ça a l'air sympa ici.
Si on dormait. Ok. C'est embêtant parce qu'on a, lui là. Alors, laboratoire. Le laboratoire est en ruine. Il y a du matériel et des papiers disséminés un peu partout. Que voulez-vous chercher? Ouvrir les placards. Ok, ça c'est bien. Vous avez mis le matériel sur la table. D'étranges pièces, un prototype sur la table, mais vous n'aurez pas l'utilité pour le moment. Vous trouverez un message en hâte. Sûreté compromise. Représailles imminentes attendues. Évacuation vers le fort. Qu'est-ce que c'est que ça? Évacuation vers le fort. Vous regardez le sol autour de vous. Il y a des fissures à la base de la structure qui se transforment en crevasses au niveau des murs. Des trous ont été causés par quelque chose d'incroyablement gros et puissant. Lentement, vous enfoncez votre bras dans l'un d'eux. Alors, le générateur. Le vieux générateur crachote et ronronne. Ok. Ouh, c'est quoi ça? Ok, ça... Je comprends pourquoi... Ok, j'ai compris. Plus 10% de résistance à la panique. L'art du baratin. Prix de vente augmenté de 10%, prix d'achat réduit de 10%. Ok, on a une créature super grosse. On a une sorte de calamar géant, là. Mon dieu, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ouais bah ta babiole mec, tu vas aller te la récupérer tout seul. Hein. Barracuda. Merde. Mince. Je sais pas quoi faire. Attends. Non mais je crois qu'il n'y a pas de... Ah si. Yes, trop fort. Tetris, Tetris Master. Oh, il y a un, village. Voilà. Ouais, enfin c'est un village détruit en fait. Pierre murmure, placez votre main. Ça je sais pas ce que ça fait encore pour le moment. Alors, tas de débris. Oh! Et du coup il nous en faut un autre. Ah. C'est un peu un raccourci pourri, non? Ah quoi que non, en fait. Ouais, mais j'ai pas la place. Y a pas... On peut pas se mettre... Ça c'est quoi ça? C'est ça hein. C'est de la recherche. Bon par contre du coup si je trouve pas d'endroit où accoster et vendre mon bordel ou faire des trucs, ben on va partir. On va se re-téléporter. Là. Ah, c'est la fille ambulante. Je pense. C'est ça.
nickel. Tiens, tu prends vraiment pas cher quand même. Hein, vache. Fiam, marnaque, mais d'une force. Alors. On en a 4. Là, on a un nouveau moteur. Il est comment? Comme ça. 2, 4 et un cinquième au centre. Ça ferait ça. Et là, on peut mettre un petit. Ok, ça vaut le coup. Gros double. Attends, la réserve, déjà, on va mettre ça là-dedans. $450. Ah bah ouais, on peut le prendre. Du coup, il est comme ça, il faudrait mettre un petit au centre. Pas mal. Donc celui-là, on peut le vendre. Et... Attends, on a assez. On va envoyer ça. Voilà. J'ai renvoyé le deuxième petit moteur là, dans ma réserve, parce qu'en fait il peut être pas mal. Il peut être utile en fait, c'est ça le truc. On va, nous on va prendre celui-là. Nickel. 72.5. Maintenant. Ça c'est top. Ça aussi vers la réserve. Bah tiens, ça tombe bien. Donc on avait dit on voulait ça, donc c'est un tissu et encore une planche. Non, réserve. Tissu on n'a pas. Je vais voir si on n'a pas besoin de ça en fait. C'est quoi? Espace pour la canne à pêche, espace pour moteur. Pour moteur, on aura un moteur. Ah ben voilà, on aura un emplacement supplémentaire. Donc oui, c'est intéressant. Du coup, on ira encore plus vite. Fais voir. Je crois que je peux... Hop là! Là, ça serait quoi? Ah, trois emplacements comme ça. Je pensais que ça serait une ligne en fait. Non, là, c'est vachement intéressant. Genre, on pourrait mettre un filet, on pourrait mettre ça là. Ah non, ça tue! Ouh, ça oui. En fait, il y a tout qui est vachement bien. Il y a tout qui est vachement bien. Bah, c'est bien pensé en fait, hein, évidemment. C'est pas. C'est pas pensé débilement quoi. Hop. 81.9. Pas mal, pas mal, pas mal. Donc on a 3 moteurs en fait au final. Donc si on en casse un, il y a toujours 2 autres, etc. etc. Après, là c'est quoi? C'est 9.5 les deux. Non, là c'est que 14.7. Est-ce qu'il y en a un qui fait 2? Qui serait mieux. Genre là c'est 15. Non, ce serait pas utile. Non, non, c'est. Non, c'est les moteurs hydrojet, c'est les meilleurs. Enfin pour les une case, une ou deux cases même. C'est nickel. Bon, on va s'arrêter là, je pense. Je pense qu'on a fait du super boulot. On a bien avancé, en fait. Enfin, on a...
Pas vraiment dans les quêtes, on a fait qu'une, je crois. Mais notre bateau, on l'a bien avancé, par contre. Pour la vitesse et tout ça. Ça, c'est vraiment, vraiment sympa. Du coup, nous, la prochaine fois... Bah déjà, il faudrait faire... Ah tiens, il y a un point, là. Il faudrait qu'on aille là. Pour voir ce qu'on peut en faire. Ouais, ça, c'est où on était. C'était le centre de recherche, je crois. Là, c'est où est-ce qu'on est, là, pour vendre. Et là, il y a quelque chose, là. Donc, on va aller voir. Peut-être qu'ils savent quelque chose sur la créature qui est au centre. Ou alors, on peut essayer d'aller au centre, mais je pense que ça va mal finir si on va au centre. Je pense que ça va mal finir. Ça va, on a encore de l'argent. Bien, voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé. On se retrouve pour le prochain épisode où on ira... On se baladera encore un peu plus, voir ce qui se passe. Mais ouais, c'est sympa. Même pour faire de l'argent, honnêtement, ça va super vite. Hein. On se met même rien que devant, en fait, notre endroit principal. Et ça se passe très, très bien. Ça va très vite. On récupère quelques poissons. On fait ça pendant une journée, ça suffit. Donc ça va vite. En tout cas, merci beaucoup. J'arrive plus à parler. Merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao.